Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous élevons ton saint nom. Nous bénissons le nom de l'Éternel des armées. Il est le Dieu merveilleux qui nous a sauvés. Il est le Dieu puissant qui nous a secourus. Il est le Dieu qui sauve, qui libère, qui délivre. Il est le Dieu de paix et de miséricorde. Alléluia. Il est le Dieu de bonté. Nous exaltons son nom dans ce lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. On va introduire, commencer par la louange. Amen. Si vous pouvez chanter un chant. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu es merveilleux. Tu es un rocher pour nous. Tu es un refuge pour nous. Alléluia. Nous dépendons de toi. Nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Alléluia. Tu es notre rocher. Tu es notre Dieu. Alléluia. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Tu renouvelles ma force. Tu me donnes la force comme la force du buffle. Alléluia. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Alléluia. Nous accompagne chaque jour. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi une telle foi. Donne-moi de marcher avec une telle foi.
cette dimension de la foi. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Alléluia. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Alléluia. Déjà ma tête s'élève. Alléluia. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. C'est quoi cette tente? Le tabernacle. Au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. On va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Prions. Nous prions pour la protection divine autour de nos familles. Envoie tes anges guerriers, Seigneur, autour de chacune de nos maisons. Envoie tes anges guerriers autour, alléluia, de tout ce qui nous appartient. Envoie tes anges autour de nos enfants. Envoie tes anges autour de chaque maison, de chaque famille. Alléluia, nous prions pour la protection divine. Nous envoyons, alléluia, les anges de l'Éternel autour des maisons de toutes les familles qui viennent dans cette église. Alléluia, nous élevons un mur de protection au travers de la prière ce soir. Nous plaidons le sang sur chaque porte. Nous plaidons le sang sur toutes les portes de chaque maison. Nous plaidons le sang sur les portes de nos maisons. Nous fermons tout accès à l'ennemi. Dans le nom de Jésus, nous fermons tout accès à l'ennemi. Nous élevons le bouclier de la foi et nous brisons tous les traits enflammés de Satan. Nous renversons les forteresses, nous renversons tout ce qui n'est pas de toi. Nous prions pour une protection mentale, une protection spirituelle, une protection psychologique, une protection matérielle, une protection physique. Nous prions pour toutes sortes de protections ce soir. Oh, couvre-nous Seigneur. Nous avons besoin de toi Éternel. Couvre chacun de nos enfants par ton sang. Couvre chacune de nos maisons. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes des dangers auxquels, alléluia, nous pourrions faire face. Protège-nous des situations compliquées. Préserve-nous du mal. Délivre-nous de toutes sortes de mal invisibles que nous ne voyons pas. Délivre-nous de toute attaque qui vient contre nous. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Préserve nos âmes. Préserve nos esprits. Préserve nos familles, préserve nos maisons, préserve nos foyers. Nous refusons l'accès à l'ennemi. Nous refusons l'accès à l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons couvrir toutes les familles de cette église. Nous couvrons les familles de cette église. Nous parlons sans puissant de Jésus. Garde-nous de tout danger, de tous les dangers, que ces dangers soient physiques, que ces dangers soient spirituels, mentaux. Alléluia, nous prions, alléluia, pour la protection divine, alléluia, nous t'élevons Seigneur, nous te glorifions Seigneur, nous glorifions ton nom, tu es la sécurité dans nos foyers, tu es la sécurité dans nos demeures, protège nos maris, protège nos femmes, nos épouses, protège nos enfants, protège tous nos jeunes, protège les Seigneurs. Garde-nous, Seigneur Jésus, de la saison de laquelle nous sommes. Garde-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Garde-nous de nous-mêmes. Protège-nous de nous-mêmes. Protège-nous de l'erreur, de l'égarement. Protège-nous de l'orgueil. Préserve-nous, Seigneur, de tout égarement. Préserve-nous, donne-nous la sagesse. Garde-nous, Seigneur, garde nos pensées. Préserve nos pensées. Garde nos cœurs. Garde-nous, Père éternel. Alléluia, préserve-nous, protège-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous fais triompher en Christ. Merci de ce que tu nous donnes la victoire. Alléluia, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions. Alléluia, nous sommes couverts. Alléluia, nous sommes bénis, nous sommes protégés. Nous te disons merci Seigneur pour ton esprit, nous sommes couverts par ton esprit, nous sommes couverts par ta grâce, nous sommes couverts par ton amour, nous sommes épargnés du danger, épargnés de toutes sortes de contagions,
de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de situations compliquées. Tu es le Dieu invisible, reconnaissant ta main puissante sur nos vies. Alléluia, sois le Dieu. Viens guérir, Seigneur, les maisons, viens guérir les foyers.
berger qui restaure. Nous avons la restauration en toi. Nous avons la guérison en toi. Nous avons la délivrance en toi. Nous avons la liberté en toi. Tu es le Dieu vivant, le prince de vie, le prince de paix dans nos maisons. Alléluia, que ta paix règne, que ton royaume soit visible et manifeste dans nos maisons. Que ton règne soit évident, visible dans nos foyers. Que ton règne soit visible dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant, nous prions pour un réveil. Alléluia, dans chacune de nos maisons. Nous lions tout esprit de distraction. Nous lions tout esprit d'opposition dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons les plans de l'ennemi. Nous renversons les forteresses. Nous renversons toute imagination et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Nous prions pour l'unité. Alléluia dans les familles. Nous renversons les plans de l'ennemi. Alléluia. Nous prions pour nos jeunes que tu les préserves. Nous prions pour les adolescents qui trouvent leur identité en toi. Qui trouvent leur identité, qui trouvent satisfaction en toi. Alléluia. Nous prions pour tous les jeunes, pour les ados, pour nos enfants. Il n'y a pas de satisfaction en dehors de toi. Il n'y a rien qui peut combler leur vie. Toi seul peux combler leur vie. Toi seul peux combler leur cœur. Toi seul satisfait. Alléluia. Nous prions, Seigneur. Alléluia. Que tu préserves nos jeunes. Des tentations qu'il y a dans ce monde, de la séduction qui vient sur cette génération. Préserve nos enfants, préserve nos jeunes de la tentation, de toutes mauvaises pensées, des mauvaises tentations, des mauvaises influences. Préserve nos enfants de l'impureté qu'il y a sur Internet, qu'il y a sur les portables, qu'il y a dans les réseaux sociaux. Préserve la pureté de nos filles, préserve la pureté de nos garçons, préserve la pureté de nos enfants, préserve la pureté de nos foyers, de nos époux et nos épouses, contre la pollution qu'il y a dans ce monde, contre la pollution qu'il y a dans les réseaux sociaux, qu'il y a sur Internet, qu'il y a dans ce monde. Préserve nos âmes, préserve nos familles. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire en Jésus. Alléluia. Nos filles seront appelées disciples du Seigneur. Nos enfants vont te servir. Est-ce que vous prophétisez sur l'avenir de nos enfants? Alléluia. Nos enfants seront des évangélistes. Nos enfants seront des intercesseurs. Nos enfants seront des gagnants d'âmes. Nos enfants vont progresser. Nos enfants vont atteindre leurs objectifs. Nos enfants vont réussir dans leur vie professionnelle et dans leurs études. Nos enfants, alléluia, seront des prédicateurs. Nos enfants seront des pasteurs. Nos enfants serviront à cette génération. Nos enfants seront des lumières dans cette génération. Dans le nom puissant de Jésus, nos enfants marcheront dans la soumission. Nos enfants marcheront dans l'obéissance. Nos enfants marcheront, alléluia, à la lumière de ta parole. Dans le nom de Jésus, nos enfants seront comme cet arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit dans sa saison. Et dans le feuillage, Jésus fait du point. Dans le nom puissant de Jésus, il va rappeler sa taille et qu'elle est de sa foi. Il va rappeler sa taille. Nous prophétisons sur nos maris, alléluia, nos maris garderont leur main levée vers toi, nos époux te serviront, les époux seront des hommes fidèles et intègres, nos époux seront des hommes qui te craignent, nos époux marcheront dans la sainteté. Alléluia, nos épouses, alléluia, nous prions pour les femmes de cette église. Oh, elles seront des femmes sages qui bâtissent leur maison. Alléluia, qui bâtissent leur maison avec toute la sagesse divine. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus, nos femmes, les femmes dans cette église marcheront et vivront dans la sainteté, dans la pureté. Elles progresseront, elles seront fertiles.
ainsi des fécondes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, nous sommes l'armée du Dieu vivant, nous sommes l'armée du Dieu puissant, et nous glorifions le nom de l'Éternel. Alléluia, nous exaltons le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
l'autorité suprême de l'Église. Merci de ce que tu as donné ta vie. Tu as racheté l'Église qui est ton épouse au prix de ton sang. Nous te bénissons pour l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes ton corps. Nous sommes les membres de ton corps. Quel privilège de faire partie du corps de Christ. Quel privilège de faire partie de la famille de Dieu. Merci Seigneur pour l'Église. L'Église du Dieu vivant. L'Église. Alléluia. À qui tu as confié une mission. Merci Seigneur pour l'Église. Nous prions pour notre pasteur. Alléluia, qui a été placé à la tête et à la direction de cette église. Seigneur, renouvelle ses forces physiques et spirituelles. Encourage-le, Seigneur Jésus. Fortifie-le par ton esprit. Donne-lui, Seigneur, la sagesse, la connaissance, l'esprit de conseil, que l'esprit de sagesse, que l'esprit de discernement, que l'esprit de la crainte de l'éternel repose sur lui. Que l'esprit, alléluia. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de la crainte de l'éternel, l'esprit de conseil soit sur lui, que l'esprit de conseil soit dans sa bouche, que la sagesse soit dans sa bouche, que le discernement soit dans ses jugements, dans ses paroles et dans ses décisions, que le discernement l'accompagne dans chaque décision qu'il prend, donne-lui la sagesse dans ses relations avec les membres de l'Église. Donne-lui la sagesse, donne-lui l'esprit de conseil, parce que nous gagnons des guerres par le conseil. Alléluia, Seigneur Jésus, nous prions une protection divine sur son âme, sur son esprit, sur ses pensées, sur son corps et son âme. Nous prions une prière de protection, que tu le préserves, que tu le protèges, nous le couvrons par ton sang. Alléluia, nous envoie un échange devant lui, derrière lui, autour de lui. Nous élevons un nuage de feu pour les protéger dans le nom puissant de Jésus. Nous savons qu'il est plus attaqué que nous tous ici dans l'Église. Mais nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en tes promesses. Nous prions une langue qui s'élève contre lui dans le nom de Jésus. Nous la condamnons dans le nom puissant de Jésus. Que ta volonté triomphe. Nous prions pour toute famille de l'Église. Nous prions pour un changement cette année 2022. Nous prions pour nos jeunes, que tu leur donnes la direction dans leurs études, dans leur vie professionnelle, dans les choix et les décisions qu'ils ont à prendre. Seigneur, conduis le pas de nos jeunes. Les questions qu'ils ont, tu es la réponse. Tu es la solution, tu es la réponse à toutes leurs questions. Leur destinée est entre tes mains. Leur destinée est entre tes mains. Nous voulons faire la différence. Nous prions qu'il y ait des conversions véritables dans l'Église. Nous prions que les hommes et les femmes et les jeunes se convertissent réellement. Nous voulons voir de vraies conversions, des vraies repentances. Des vraies conversions, des vraies repentances. Des vies transformées. Du péché, donne la conviction d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, d'haïr le mal, de nous éloigner du mal. Nous prions, Seigneur, que le ministère de ta parole soit efficace et fructueux dans l'Église. Que le ministère de la parole auprès des jeunes, des enfants, des hommes, des femmes soit efficace et porte du fruit dans l'Église. Nous prions pour l'évangélisation. Chose-nous du zèle de l'évangile de paix. Donne-nous d'avoir du zèle, d'avoir la compassion des âmes, d'avoir le fardeau des âmes. Donne-nous de multiplier, que cette église double. Alléluia. Nous voulons doubler, nous voulons nous multiplier, étendre nos limites. Allez, élargir notre espace, Seigneur Jésus. Nous prions pour les finances de cette église. Nous arrachons nos
bénédiction. Nous allons dans le camp de l'ennemi reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Dans le nom de Jésus, nous prions pour les rétrogrades. Nous prions pour les familles qui ont été volées par l'ennemi, qui le reviennent à la maison, qui le reviennent à la bergerie. Tu reviens bientôt. Nous pensons à tous ceux qui ont abandonné la foi, à tous ceux qui sont découragés ou frustrés. Nous allons dans le camp de l'ennemi reprendre la joie, reprendre les finances, reprendre les familles, reprendre tout ce qui nous a été volé dans le nom puissant de Jésus. Merci d'avancer, Seigneur. Tu vas répondre, Seigneur. Tu vas répondre, Seigneur. Tu vas répondre, Seigneur.
Nous voulons tout laisser entre tes mains, Seigneur Jésus. Là où nous sommes limités, toi tu es illimité, Seigneur. Tu pénètres, Seigneur, là où l'homme ne peut pas pénétrer, Seigneur Jésus. Avec des larmes, avec des supplications, Seigneur, des actions de grâce, Seigneur, nous prions de nous toucher, de visiter, de guérir, de restaurer, Seigneur, et de alléluia. Que cette rosée, Seigneur, puisse se répandre partout, Seigneur, dans la ville de Romier, Seigneur Jésus. Et que cette terre, Seigneur, qui est, Seigneur, sèche, puisse, Seigneur, Jésus, produire, Seigneur, de la verdure, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, travers cette prière prophétique, que dans la ville de Romier, alléluia, que les âmes soient touchées, ceux qui sont liés, ceux qui sont dans la dépression, Seigneur Jésus. Tu peux les guérir maintenant, dans le nom de Jésus. Nous voulons te laisser, Seigneur, la journée de demain entre tes mains. Seigneur, pour les travaux, Seigneur, pose ta main sur les frères qui viendront ici demain, Seigneur. Pose ta main sur tout ce qui va être fait, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions pour ta fidélité, Seigneur. Nous voulons te prier pour la réunion de dimanche, le culte de dimanche, Seigneur. Seigneur, nous laissons tous les visiteurs entre tes mains, Jésus. Nous laissons la louange, la musique, la prédication entre tes mains, Seigneur. Baptise encore du Saint-Esprit, alléluia. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence comme jamais. Avoir, Seigneur Jésus-Christ, une expérience avec toi, alléluia. Seigneur Jésus, touche les cœurs, alléluia. Visite les familles et que ton nom seul soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur.